Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max, la chaîne du Japap et du Bérin. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, donc, nous les soi-disant blogueurs, pour vous donner des infos, la surbu est dure. Ah ouais. J'ai vu un live là de. J'ai pris ça, il y a de la capture là, il y a ça. Oui, c'est hier ou avant que j'ai pris ça. J'ai oublié de faire la vidéo sur ça. Je suis tombé sur ça, il dit que je dois faire ça. J'ai fait la capture, après je suis. Dis donc, quelque chose. Maintenant, trop de choses en tête. Vous comprenez un peu, non? Donc, maintenant, en surfant sur ma chaîne, je suis encore tombé. Sur TikTok, je suis encore tombé. Sur la capture de ça que quelqu'un d'autre a fait. J'ai dit donc, je dois faire ça. Un certain Serge Tando. Oui. Bon, il a fait un petit truc là, il a parlé de Kim, il a félicité Kim pour son sold out et tout, il a parlé que Kim a donné une leçon magistrale de marketing et tout, et tout, et tout. Ouais, c'est bien beau. Ouais, c'est vrai. Mais je vous dis que moi, ce gars-là, moi, je ne l'ai jamais aimé, hein, ce Serge Tano, sans vous mentir. Mais il a quand même dit certaines vérités, oui, même comme il a bugué, là, il n'est pas très cohérent. Je vous mets d'abord son live, après je vais vous dire pourquoi il n'est pas cohérent. C'est ce qui m'a fait sort out en 4 heures de temps, réunit tous les plus grands influenceurs à ses côtés, avec la présence de Kwacha Monchik, la présence de Maman Cathy. Ben écoute, le grand Makoso aux millions d'abonnés, Lolo Beauté de l'autre côté qui active aussi ses réseaux. Écoutez, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? Il y a des femmes qui se battent, qui se déchirent les caleçons, qui font des trucs, qui font ceci, ceci. Pourquoi tu as dit mon nom? Pourquoi tu as mis ma photo? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Nan, nan, nan. Serge Tano a mis ma photo. Serge Tano a parlé de moi. C'est nien. On va le blacklister. Dis-moi, oui. On m'a dit que tu vas à Périgueux, là. Oui, je vais, oui. Pourquoi? Ah non, non, j'ai vu ça quelque part. Ah, ok. Voilà. Mais je n'ai pas caché, mais je n'ai jamais caché là où j'habite. Hein. Donc, pourquoi tu as fait ça? Voici une petite fille qui nous donne une leçon de marketing, un cours magistral. En 7 heures, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus, de faire Sciences Po, de faire l'EMPT. On n'a pas besoin de faire les plus grandes écoles. On fait sold out en 6 heures. Et on fait venir les plus grands influenceurs d'Afrique à ses côtés. Bovan, Antala, etc. 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 Ah, tous les gens sont là. On fait la sorte, on fait la vente privée. Ah, donc Bovan n'est pas venu au Antala. Ah, il était à Abidjan. Ouais. Bovan était à Abidjan. Mais il n'est pas venu au Tunisien pour qu'il est parti. Bon, ok, bon, bref, en tout cas, tous les gens étaient à côté. Bovan, Antala, c'est la même chose, c'est la même équipe, c'est la même fusion. Moi, je ne suis que content. Et c'est une leçon. Il faut que les mamans qui sont sur TikTok, ils prennent un bic. Avec une feuille blanche et commencent à écrire comment gagner de l'argent sur TikTok. Nous, on gagne déjà de l'argent. Alhamdoulilah, on est là, on mange les petits baouins, on fait rigoler les gens, on mange les petits baouins et on avance. Mais des gens qui sont là, qui font des lives, pourquoi tu as dit mon nom? Pourquoi tu as mis ma photo? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'y as? Celui-ci me doit, celui-ci me fait ceci. Ils font là jusqu'à 4 heures du matin pour tapoter, partager, même c'est les problèmes. Donc, je suis énervé, je suis prêt du recul, je suis prêt des vacances, vous n'allez plus me voir sur les réseaux sociaux. Bye bye. Bisous là-bas. Attends, collègue. Il y a, comment on appelle ça, Makoso Camille aussi a joué un grand rôle hier. Franchement, c'était une belle équipe. C'est pour ça que c'est une équipe qui gagne. Mais Makoso, les gens ont toujours dit Makoso, c'est un faux pasteur. Ok. Mais c'est un bon père de famille et c'est un bon businessman. Il a compris que Kimi Makoso est un produit d'appel. C'est ça. Il met sur Kimi. La société là, c'est pas pour Kimi. On dit c'est Kimi. Mais Kimi a quel argent? C'est Makoso qui est derrière, qui met son argent, qui paye, il prend Kimi, il la met dedans. Elle sourit comme une poupée. Oh là là, je suis gentil, je suis content. Oh là là, mes chéris, venez acheter mes produits de maquillage. Ça s'appelle du talk shopping, ce qu'elle a fait. C'était pour magistral. Prenez un bic, prenez une feuille, prenez une gomme. S'il faut gommer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, elle nous montre ce qu'on appelle comment gagner de l'argent en 7 heures. On n'a pas besoin de faire les grandes écoles. Donc, Makoso a compris et il va continuer. On va reproduire ça tous les 6 mois, tous les 1 an, 7 heures sur la route. Total, moi je suis arrivé à la fin. Il y a une dame qui est arrivée des États-Unis. Elle a pris tous les produits qui restaient. Elle dit, je prends tout. Fini.
Terminé, on ouvre le champagne, on s'assoit, on fume le cigare et on rigole. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe sur cette live? Des vieilles mamans, des vieilles filles qui sont célibataires, qui n'ont pas de gars, qui sont là pour dire gna 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 gna. Donc, bisous là-bas, je ne suis plus sur le réseau. Au revoir. Merci collègue, merci pour ton intervention en tout cas, merci. Bravo, bravo, bravo. Ouais, vous avez écouté, il n'est pas cohérent. Dans le même discours, il dit, il commence, Kimi a fait sold out en 4 heures. Après, Kimi a fait en 7 heures de temps, Kimi a fait sold out. Après, quelques secondes encore, Kimi a fait sold out en 6 heures. Voilà 3 heures de temps que toi, tu as 3 heures différentes que tu as citées. Hmm? On sait que Kimi, elle a fait le sold out en 7 heures de temps. Ça a plus duré que l'autre fois. L'autre fois, elle a fait 6 heures de temps. Ça a plus duré cette fois. Pourquoi? Parce qu'elle avait le double de la marchandise. C'est vrai. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché. C'est parce qu'elle avait beaucoup de marchandises. Mais il faut donner les chiffres exacts. Il ne faut pas venir là pour faire comme si vous voulez seulement faire à Tarakou exagéré, mon frère. C'est comme peut-être on dit, la salle, le casino a 2000 places à celle. Tu indiques à celle, le 2000 places à celle a mis 5000 personnes là-bas dedans. Ça, c'est quoi ça? Tu vas exagérer quoi là? C'est tellement... Tu veux lécher tellement les bottes que tu exagères, donc c'est pas bien. Je n'aime pas les incohérences comme ça là. Je n'aime pas ça. Tantôt que Bovan était là-bas, Bovan n'était pas dans la vente. Il n'était pas participé, s'il vous plaît. Je sais pas, tu as compris que Bovan est à Abidjan. Tu vois, Bovan est à Abidjan pour le truc comment on appelle ça? Pour me parler, le truc de l'autre qui va se passer là. De Théma. Oui, concours de danse de Théma là. Ouais, il est là pour autre chose. Mais quand même, tu as quand même dit quelque chose, que Macron c'est un faux pasteur. Oui, et que c'est un bon père. Tu as dit que c'est un bon père. Là, c'est discutable. Hein. Mais que c'est un bon businessman, un barmaillet, oui. Et tu as dit là quelque chose de bien pertinent, qu'il a misé sur Kimi. Chose que je passe tout mon temps à dire ici là. Il a misé ses espoirs sur Kimi. Kimi, c'est son joker. Voilà pourquoi il protège Kimi là. C'est là où il fait encore son argent. Là, on dit que pour le moment, là, dit que quelqu'un va venir épouser Kimi, amener Kimi. Il ne peut pas être d'accord. Peut-être plus tard, quand il va avoir peut-être les 30 ans, et ça sera avec révélant, parce qu'il fait son argent. Marcos fait ses beurre sur Kimi. Kimi, c'est son fonds de commerce. J'ai tu dis ça ici dès le début. Voilà ça qu'il vient de dire, ce sèche-là. Kimi, c'est le fonds de commerce de Marcos. Oui. Vous doutez. Hein? Vous doutez. Il est à monter sur le live de Métis Kang. Que Métis en train de faire la vie, il monte là. Non, il a fait comment? Kang. Il a qu'un projet pour Métis. Dites-moi franchement, il a quel projet pour Métis? Il avait dit qu'il va ouvrir. Il a acheté ces deux voitures là. Que Métis devait commencer un business de location de voitures. C'est où? Aujourd'hui. C'est parti. Hein? Il ne mise pas sur Métis. C'est ça. Ouais. Oui, son fonds de commerce, c'est Kimi. C'est ça. Et ce qui m'a appris, il a dit, c'est un faux pasteur. Voilà. Quand il passe le temps à renchérir Marcos aussi, qu'un faux pasteur, on vient me parler. On vient me dire, wow, laisse Marcos tranquille. Laisse Marcos ceci. Laisse Marcos se monter. Laisse Marcos se descendre. C'est un faux pasteur. C'est comme tu viens de dire que, bah, tu vois les légumes, tu dis, voici les légumes. On dit, pourquoi tu dis que c'est les légumes? Hein? Nous, on a te voir le macabota, tu dis que c'est un légume. Oui, pourtant, c'est clair que c'est un légume. Marcos, c'est un faux pasteur. Il dit que ce qu'il y a, ce n'est pas une insulte. Hein? C'est un faux pasteur, vous le savez très bien. Un homme qui a tous ses sens. Tu dois savoir que Marcos, c'est un faux pasteur. Si tu as tous tes sens. Si tu es là, tu penses que Marcos, c'est un bon pasteur. Ça veut dire qu'il va à l'hôpital. Hmm? Au Cameroun, là, c'est l'hôpital Jabo, non? Là où on traite les fous, là. Oui. Va un peu là-bas. Hein? Dans la ville où je suis ici, la Bourgogne, je crois que c'est à Briviesca. Là où on traite, oui. Il faut aller là-bas. On te regarde un peu le cerveau. Parce que tu es là, tu penses, dans ta tête, tu dis que Macron, c'est un bon pasteur, c'est un vrai pasteur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Quelque chose ne va pas, franchement. Hein? En tout cas, bravo encore à Kimi, hein? On se prend à très vite pour une nouvelle vidéo. Hein? Bisous et à sa ponte. Surtout ne mettez pas les organes. Ah ouais.